Salut les gars, voilà une nouvelle vidéo, petit best of live du jeu UFC 4, c'est la première fois que je le découvre, on l'a eu gratuitement et tout grâce au PS Plus. Donc du coup je l'ai découvert, je peux pas montrer ma gueule parce que bah miskin je peux pas la montrer pour des raisons, enfin bref. Donc du coup je vous laisse avec la vidéo, je vous dérange pas plus, ciao ciao. Fils de pute. Putain. Oh je vais péter un plomb. Comment on fait les... Les kicks de Saint-Pierre sont toujours portés avec une précision chirurgicale. Oh, ouf. Oh le bâtard. Et il vient de renverser son adversaire. Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre resserre l'étau autour du membre de son adversaire avec cette soumission. Ça se peut, il veut terminer le combat par un rear naked choke. Il insiste. C'est la fin. Waouh. Je me suis fait démonter, mec. Et j'y comprends rien, moi. Et je viens de me faire fumer le fion. Round 2, fight. Ce qui est incroyable, ce serait de savoir pourquoi son adversaire ne se protège pas mieux. L'inattention sans doute. Et bim, le coup de pied en plein sur sa cible. Oh, le gros enchaînement de coups de pied à la jambe. Bien appuyé, hein. Et il a tenté de ralentir le jeu de jambe de son adversaire. Et au final, il a touché fort. Les frappes s'enchaînent avec une fluidité incroyable. Oh, le... Coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Et il lui colle. Oh le bâtard, il m'a câlin. Et un coup de poing par Tyron Woodley. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découper à distance. Et une bonne série de frappes qui arrive à trouver la cible. Exact, et il ne relâche pas la pression. Allez, Woodley. De ce combat. Il multiplie les jabs. Il envoie un beau coup de pied. Superbe Superman Punch. Et ce coup de pied à la jambe, bien envoyé. Quoi ? Coup de genou maintenant. Et il remet ça, coup de genou. Ah, il fait, là. Voilà une belle série de coups de genou. C'est pas un peu trop facile. Effectivement, je pense que c'est risqué de ne pas se protéger un minimum. Ce serait dommage de finir KO. Fils de pute. Putain. La décision des juges est unanime. C'est lui le vainqueur. Ouais, je suis tout seul, Isaac. Oh, j'ai trop de flemme, j'aurais pété un plomb. Peut être fier de lui. Ce gros chouf de merde là. Attends, vous savez quoi, je vais revoir un peu les touches parce que là je m'en bats les couilles. Attends, touche, comment on voit les touches sur ce putain de jeu de merde. Apprendre, c'est quoi, on va apprendre un petit peu. Faire une dictatiel. C'est les gars, c'est bon, on est prêt, on va défoncer l'autre fils de flûte. On est prêt les gars. On est prêt, let's go là, c'est bon. Round 1, fight. Non, en vrai, les graphismes ils sont grave bien, mais. C'est pas le jeu, je trouve pas où. Enfin, en vrai, il est bien. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 20 des pires fails. Avec un coup de genou. Et putain, mais je peux rien faire là. Oh, il m'a enclenché de ce bâtard. Oh, il m'a défoncé. Je me suis plutôt bien débrouillé. C'est serré, c'est serré.
Non, lui par contre il m'avait baisé au round 2. Là round 3 par contre je l'ai quand même un peu plus dominé, je l'ai ri. Putain mais vas-y, mais ils prennent toujours ces moments là. Mais tu vois, lui, tu vois le chauve là, ce gros bâtard, il m'aime pas. Putain! Oh, je vais péter un plomb! Mais des juges, allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! J'en ai marre là, putain! Oh putain, je suis en train de péter un plomb! Mais ce jeu, il m'aime pas! Il m'aime pas! Il m'aime pas, j'ai envie de péter un plomb! Oh putain! Oh, je vous jure! C'est trop! C'est trop! C'est trop! C'est trop! Final round, fight! Parie les cibles et il enchaîne les kicks, rien à dire. Et pour le coup, ce sera un clinch Muay Thai. Attention à la tête. Pas seulement, les genoux vont aussi travailler au corps pour faire diversion. Tout travail. C'est un peu du un doigt à moi pour ce clinch. On va voir qui va maîtriser l'attaque. Ok, ses jambes droites. Ah non mais frère, moi j'espère que j'ai gagné. Mais je crois que c'est abusé. La décision est entre les mains des juges désormais. Tu vas voir, t'es mal état. Bien vu la façon dont il a envoyé son adversaire au sol durant le combat, car ça risque fort d'être le moment décisif. Mais on peut admirer la précision de cette frappe. Ok. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Oh, j'espère que je gagne. Oh, ça fait deux trucs où c'est moi on me voit. Donc ça se trouve, il y a moyen que ce soit moi. Dis-moi que je gagne, dis-moi que je gagne. T'es marre. Moi, oh, j'ai juste les sourcils vite, c'est défoncé. Oui. 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 Yes! Putain! Enfin! Yes! Yes! Du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je retourne sur ce jeu. Ça me ferait extrêmement plaisir. En vrai, j'y ai rejoué vite fait un petit peu. Et c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Sur ce, les gars, je vous laisse avec ça. Sur ce, les gars, ciao ciao!